Les Lions du Sénégal disputent leur premier match à la Coupe du Monde ce lundi 21 novembre face aux Pays-Bas. Quelques jours avant le début de cette compétition, Édouard Mendy a accordé un entretien au site allemand Tweet-Basis. Le portier titulaire de l'équipe nationale a forcément été interrogé sur les ambitions des Lions au Qatar. « Nous avons particulièrement faim, nous avons beaucoup de choses à prouver. Atteindre les huitièmes de finale devrait être l'objectif minimum. Après cela, tout est certainement possible », a déclaré le dernier rempart de Chelsea. Mais pour Édouard Mendy, la bande Aliou Cissé doit d'abord se préparer et s'attendre à des confrontations difficiles durant la phase de groupe. « En regardant notre groupe, on pourrait penser que nous avons été relativement chanceux. Mais ce ne sera toujours pas une tâche facile. Jouer le premier match contre les Pays-Bas ne sera en aucun cas une tâche agréable. À mon avis, ils font partie des grands favoris », a-t-il indiqué. Sur le Qatar, le champion d'Afrique, ce n'est jamais facile de s'affirmer devant le pays hôte. De plus, on ne sait presque rien du niveau de cette équipe et on ne connaît pas non plus vraiment leurs joueurs, a ajouté le portier des Lions. Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, sent désormais les regards se tourner vers la défense. C'est vrai, il y a un peu plus de pression, il y aura plus d'attention sur la défense parce qu'il faudra être solide derrière. Devant, on sait qu'on a quand même de bons joueurs. On a perdu un grand joueur, mais je pense que d'autres vont se révéler, a expliqué le défenseur central de Chelsea. Sadio est quelqu'un d'important pour tous les Sénégalais. Son absence nous fait mal mais il ne faudra pas chercher d'excuses. Il faudra ressortir la confiance que l'on a en nous-mêmes. On devra se concentrer sur notre football, le coach a les bonnes idées donc à nous de bien jouer sur le terrain, a-t-il ajouté.